Salut à tous, c'est Modrek. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, premier match de championnat, Bastia-Nîmes. Donc aujourd'hui, on part pour la Corse, on va à l'aéroport et on se retrouve là-bas. C'est parti. Toujours des galères, on est toujours à l'aéroport. On est toujours à l'aéroport. Le match est dans 5 heures. Il est 10 heures. Et on n'a toujours pas embarqué pour Bastia avec du retard sur le vol. On s'est pris un petit déjeuner en attendant. Il y a des chances pour qu'on rate le match. Si on part à 13 heures, on ne partira pas. Bon, ben, il est 11h16 et on embarque enfin pour Bastia. Ça me fume parce que le bus est tellement dangereux. Il est 11h40. On s'apprête à partir. On embarque pour Bastia. Après un retard de plus de 2 heures pour l'embarquement, problème au décollage, mais on part enfin. Il est actuellement midi et demi et on s'envole pour la Corse. On vient d'arriver donc à Bastia. Bon ben voilà, on est dans un taxi malgré le nombre de péripéties. Aujourd'hui, on arrivera quand même à temps au stade. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est 14h. On vient d'arriver au stade Armand Cesari. Dans 1 heure le match, on espère une victoire. On va rentrer en parcage. Avant de rentrer en parcage, je vais être interviewé du coup par Objectif Gare, Corentin Corgier, avant de rentrer dans le stade. Et oui, alors pour tout vous dire, voilà, une B2, comme vous pouvez l'acheter, c'est une journée assez compliquée pour les supporters, pour ceux qui n'ont pas pu un problème de caoutchouc. Le même système, ça va être compliqué, on va partir avec un on va parler des départs et ça fait vraiment plaisir de retrouver le stade, ses buvettes. On va voir ce qu'il y a. La buvette de Bastia, très sympathique, avec des verres d'eau à disposition vu la chaleur. C'est super sympa, franchement. Ici à Furiani, les supporters nîmois, la vingtaine de supporters nîmois qui sont. On vient donc d'entrer dans le parcage visiteur. Voici donc le parquage visiteur Bastier, une cage un peu, on dirait une prison, mais on va pas cracher dessus, sachant que ça fait 1 an et demi qu'on a pas mis un pied au stade. Voilà officiellement la reprise du championnat avec public, sans restriction, sans limitation. L'entrée des joueurs devant les Bastiers, un cop très très chaud. Ça va être un très beau match à suivre. C'est parti pour ce Bastia Nîmes. Une minute de silence pour le stadier Bastier décédé. Nous présentons nos plus sincères condoléances. Le Sporting Club de Bastia a une pensée inégale également pour la famille de monsieur Laurent. Thank you.
1-0 pour Nîmes, ouverture du score. Le parcage est assez horrible, on voit strictement rien. Surtout sur les corners Bastier. On va s'y faire. Un échange déjà très très virulent entre les joueurs. Forcément les Bastiers ont un tempérament très très chaud. Arbitrage totalement à l'anglaise. Et peut-être même plus. Sifflé par tout le stade. Armand Cesari. Organisation pour Bastia. Un partout. Fin du match. Un partout entre Bastia et Nîmes. Allez, allez, allez. Ouais. Moi. Wida, Théo, Théo, Wida, Wida, Wida. Les gars, toute la saison à fond, hein. Vous courez. Ouais. Toute la saison à fond, hein. Les gars, on sera là, nous. On sera là, les gars. Valerio, ton maillot, s'il te plaît. Valerio, va. On est donc actuellement sorti du stade. On va prendre un taxi direction la petite maison. Voilà, on est 6 dans le taxi. J'ai donc pris le taxi avec des amis et je suis en compagnie de Corentin d'Objectif Gare. Corentin, qu'as-tu pensé de ce match déjà tout d'abord ? Eh ben, franchement, c'est un match plutôt encourageant quand même pour les Nîmois. On s'attendait à pire évidemment au vu du groupe un peu restreint. Mais non, déjà ils ont été combatifs, on va dire fidèles aux valeurs du club. En plus, on savait que c'était pas évident avec le retour du public à Bastia de répondre au duel, mais ils l'ont fait. Un bon point du coup, Corentin, aujourd'hui de prix quand même en terre bastiaise malgré tout, en sous-effectif. Bien sûr, voilà, c'est pour ça que je disais un point encourageant et prometteur. Maintenant, on s'est dit qu'en fait, il faut des attaquants et qu'avec des recrues, en fait, ça donne envie à voir cette saison. Et... d'espoir quand même pour cette saison de remonter de suite ou... Nîmes a des renforts qui tiennent la route, pourquoi pas, parce qu'on voit en tout cas que là, pour l'instant, il y a un groupe bien investi. Merci Corentin. Vous êtes supporter Bastier du coup? Eh oui. Bah juste une ça suffit, ouais. Une ça suffit, ouais. Merci à notre gardien. Ah. Avec le ballon comme ça. Ouais, en fait, il essaye, il se déploie, mais c'est vrai qu'il la dévine à son propre but, quoi. Elle est vraiment au ras du poteau, c'est pas évident. Ouais, parce que nous, du fond, on truc avec poteau. Le fond bas, dans les airs, il défonce tout le monde. Hein. Il prend deux Bastiers, ouais. Même Delpech qui traîne au milieu, il envoie balle. Il est bon, lui. Hein. Je viens d'arriver dans la maison qui est incroyable. On est à Furiani, très très belle vue, belle petite maison aussi, très très bien logée. Franchement, c'est super. Je vais vous montrer un petit peu la piscine. Alors voilà l'accès à la piscine pour se réconforter après ce match sous une chaleur incroyable. On est quand même plutôt pas mal. Donc là, ce que vous apercevez au bout, c'est le village de Furiani. Oui, alors beaucoup ne savent pas et pensent que Furiani, c'est le stade, mais non, c'est un village en Corse. Voilà, nous sommes donc le dimanche 25 juillet. Je viens tout juste de rentrer chez moi sur Nîmes. Il y a 24 heures, j'étais donc en Corse pour voir le Nîmes Olympique qui affrontait le Sporting Club de Bastia. On a pris un très bon point. Je vais donc vous faire un compte rendu de... Ça, c'est très gênant. Je voulais faire l'accent corse, c'est raté. Du coup, le coût total du déplacement, 160 euros l'avion aller-retour. La maison,
la location 45 euros par personne, la place de match à 5 euros, la nourriture environ 30 euros, le taxi 20 euros, ce qui fait que le déplacement m'a coûté environ 260 euros pour 24 heures. Alors c'est très cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain déplacement. Et allez Nîmes. Le corps subra le mental, je gravirai la montagne, frérot je me lamente pas, je partirai la manger ou l'arme au bout des bras. Je suis pas comme tous ces gars, enfin c'est ce que je croyais, ils m'ont dit faut y croire et ça arrivera.